les gaz à effet de serre, dans ce cas-là, méthane, qui est produit par les vaches, elle rote ça, puis une vache produit en gros un équivalent de 3 tonnes par année de CO2. Alors, nous, on est certifié avec notre produit de réduire un 10 à 15%, 10% par tête, 15% par kilo de lait. Alors, parlons des têtes, un 10%, on arrive à 300 kilos ou 0,3 tonnes par vache et par année de réduction. Aujourd'hui, surtout en Europe, on vend un équivalent sur toute année à 1 million de vaches, ce qui est déjà assez considérable, c'est-à-dire pour une PME comme on est, ça représente 25-28 millions de vaches en Union européenne. C'est-à-dire que ça représente déjà un certain pourcentage. C'est une pénétration qui est relativement bien pour un additif pour la nutrition animale. Ça veut dire, avec ce million de vaches, si on finit le calcul, ça représente 300 000 tonnes de réduction de CO2 aujourd'hui. C'est tout grand tout, mais c'est le... Il faut dire que dans notre temps, la politique parle beaucoup de méthane, la presse est pleine de méthane, mais l'agriculteur ne reçoit pas un centime s'il produit moins de méthane, il faut le dire. Ça change un peu, par exemple, en Californie. Là, les paysans, ils doivent vraiment réduire de 40% la production de méthane. Là, eux, ils peuvent être intéressés à quelque chose comme ça. Mais en Europe, en principe, non. Alors, ouais, c'est joli de dire, mais il n'est pas payé pour ça, le paysan. Alors, pour le moment, nous vendons plutôt notre produit encore parce qu'on a vraiment une meilleure performance. Et puis ça, le paysan, il voit. So if we look at all the greenhouse gas emissions, the burps from the cows, it's more burps than farts, they contribute about 4% of all CO2 equivalent, so 4% of greenhouse gas emissions. When we look only at methane, which is one of the greenhouse gases, it's about 30%.